49e jour de course, les derniers du Vendée Globe, c'est de la Sec et Dinelli sont encore dans l'Indien à 4700 milles du leader, autant dire qu'un océan les sépare de des joyaux. Dominique Vavre est enfin arrivé à Fremantle où il a retrouvé un autre infortuné, Mike Golding. Un peu plus loin, Derek Hadfield se dirige vers Hobart. Barre de flèche cassée sur Algimousse, malmené la nuit dernière, le Canadien risque d'allonger la liste des abandons. Je suis effondré, c'est un moment très difficile. Mais on voit bien avec le nombre de personnes mises au tapis dans cette course que peu de choses séparent ceux qui réussissent à s'en sortir et ceux qui sont contraints à l'abandon. Personne n'est à l'abri de ce genre d'incident. Devant, Michel Desjoyeaux creuse l'écart sur ses poursuivants. Le skipper de Foncia sort indemne d'une semaine difficile pour tout le monde. Derrière, Jourdain s'accroche, le CAM veut attendre son heure. Rioux et Lecléache sont à 450 000, Jean-Pierre Dick est à 1000 000, Sam Davis est dans le top 10. Derrière, Marc Guillemot est revenu dans la course. Le skipper de Safran a pu réparer son rail de grand voile. C'était assez incroyable parce que, en fait, demain, une plage très bruyante, des éléphants de mer qui envahissent la plage, et puis des phoques qui jouent à une centaine de mètres autour du bateau, et un explorateur qui se balade là-dedans. C'était quelque chose d'assez fabuleux, assez magique, assez unique.